Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Mais avant, permettez-moi de saluer avec respect et enthousiasme les abonnés d'Orange qui, depuis hier, mardi 28 mars, dans la nuit, il était exactement 3h15 du matin, peuvent recevoir nos programmes. Nous leur souhaitons la bienvenue. Notre directeur général, Roland Laouché, se propose dans les jours qui viennent de vous souhaiter lui aussi la bienvenue et également de vous délivrer quelques informations concernant notre chaîne. Sachez en tout cas d'ores et déjà que vous pouvez nous contacter au 05 96 60 24 40, au 06 96 93 44 46 et à kmttelevision@hotmail.com. Voici donc quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Erika Barrett et Mathias Fekl sont arrivés ce soir en Guyane, où le mouvement de contestation se poursuit. En Martinique, les assistants familiaux tapent du poing sur la table, tandis que les transporteurs continuent de communiquer sur leurs revendications. Il y a du nouveau dans l'affaire Green Parrot. Enfin, les pompiers de Fort-de-France ont reçu un nouvel équipement. Le mouvement de contestation s'est donc poursuivi ce mercredi 29 mars en Guyane. Tous les vols long-courriers ont été interrompus, tandis que les vols régionaux, eux, ont été maintenus. Le gouvernement a considérablement reculé. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait déclaré que c'est en fin de semaine que devaient se rendre des ministres en Guyane et à condition que l'ordre républicain soit rétabli. En réalité, l'ordre républicain n'est toujours pas rétabli, bien au contraire. La Guyane est depuis hier encore plus bloquée qu'auparavant, mais les ministres sont tout de même arrivés ce soir, plus tôt que prévu. Affaire à suivre donc. Avec 83 533 km², soit environ 76 fois la Martinique, la Guyane est donc la plus grande région de France en même temps que le seul territoire des Outre-mer de la France à ne pas être une île. On estime à environ 250 000 habitants la population dont près de 100 000 seraient de nationalité étrangère. Ce chiffre est en hausse constante car beaucoup d'immigrés arrivent du Brésil, d'Haïti ou du Suriname. Avec un pourcentage de 40%, les afro-descendants, on les appelle là-bas les créoles, sont majoritaires, mais les communautés sont nombreuses. Les Amérindiens, les Blancs, les Arabes, les Chinois, les Noirs, Marrons. De ce fait, les risques de dérive communautaire existent bien. En Guyane, 23% de la population est au chômage, contre 9,8% sur l'ensemble du territoire français. Mais ce chiffre atteint 44% chez les 15-24 ans. Par ailleurs, 8 emplois sur 10 concernent le secteur tertiaire, administration, éducation, santé, action sociale. Quant au niveau de vie, le produit intérieur brut par habitant en Guyane est d'environ 17 000 euros par année contre 33 000 en France et le taux de pauvreté est de 44,3% contre 14% pour la France entière. Enfin, il existe un véritable déséquilibre dans l'aménagement du territoire. 16% de la population active se trouve à Kourou, dans le giron de la base spatiale. En 2016, la Guyane est la région la plus meurtrière de France. Le nombre de vols avec violence augmente également régulièrement. En 2016, il y en a eu un chaque jour. La présence d'or en Guyane est également une source de délinquance, puisque l'on dénombre environ 6500 orpailleurs clandestins. À ce niveau-là, comme à celui de la sécurité, les autorités ne semblent pas à la hauteur, puisqu'en 2016, 3 kilos d'or seulement ont été saisis, alors que la Guyane produirait illégalement 3600 kilos de ce précieux métal. Vous l'avez peut-être remarqué, si le TCSP a notamment pour vocation de faciliter la circulation en Martinique, pour l'instant, alors qu'il n'en est qu'en phase d'essai, il a surtout pour conséquence de provoquer d'importants embouteillages dans les zones industrielles du Lamantin. Des commerçants et des riverains en colère se sont réunis ce mercredi 29 mars et pourraient envisager une mobilisation pour dénoncer la situation précaire dans laquelle les place le nouveau moyen de transport, visiblement pas encore totalement au point en termes de logistique.
Et puis ce mercredi matin, une vingtaine d'assistants familiaux se sont rendus dans le hall de la CTM à Plateau-Roi. Ils souhaitaient s'entretenir avec un conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Ils dénoncent le favoritisme dont bénéficieraient certaines familles d'accueil lors du placement des enfants confiés à la protection de l'enfance. Ils réclament la professionnalisation et la reconnaissance de leur activité, mais surtout davantage de transparence dans la gestion du placement des enfants. Autre grogne, celle des transporteurs ce mercredi après-midi. L'intersyndicale des transporteurs de marchandises a convoqué la presse pour faire le point sur les revendications concernant la détaxe des carburants et l'aide à la cessation d'activité. Rappelons que pour le moment, la CTM n'a pas répondu favorablement à ces demandes. La semaine dernière, un exercice séisme et tsunami de grande ampleur a été organisé en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin. Explication. Tous les services opérationnels locaux, collectivités territoriales, services de réseau, de sécurité, ont ainsi pu s'entraîner dans des conditions recréées pour l'occasion. Au total, plus de 1000 personnes en charge de la sécurité ont participé à cet exercice. Le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, et l'Union européenne, par le biais du service de l'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne, ont initié cette opération en partenariat avec les préfectures des Antilles. L'objectif, entraîner les acteurs locaux de sécurité civile à faire face aux conséquences d'un séisme majeur suivi d'un tsunami. L'état-major de zone, placé sous l'autorité du préfet de la zone Antilles, Fabrice Rigoulet-Rose, également préfet de la Martinique, a été mobilisé dans le cadre de cet exercice grandeur nature dénommé EU Richter Caraïbes 2017. Le scénario a été conçu en se rapprochant beaucoup du séisme historique qui a ravagé la Guadeloupe ainsi que de nombreuses îles du nord de l'arc des Petites Antilles en février 1843. Les services de secours et de protection civile des territoires français, britanniques et néerlandais des Antilles, ainsi que des pays de la CARICOM, la communauté et le marché commun des Caraïbes, ont été alertés et se sont impliqués au cours de l'opération. L'Académie Martinique a également été associée à l'exercice et de nombreux établissements ont donc procédé mardi dernier à une simulation d'évacuation des élèves. Et justement, mardi 21 et mercredi 22 mars dernier, la ville du François a vécu au rythme de cet exercice grandeur nature. Il a fallu réagir en urgence après le tremblement de terre pour se protéger puis évacuer vers les hauteurs. Sitôt le séisme passé, les écoles Anne-Marc et Emmanuel Bruno, les agents municipaux et les habitants d'Eucalyptus ont rejoint les sites refuges situés à proximité de l'ancien parking des taxis au cimetière. Les habitants de la Martienne étaient invités à se réfugier à l'angle du chemin de l'herbe coton à la cotonnerie. Dans le même temps, le poste communal de commandement, PCC, a été installé à la salle des délibérations de la mairie et placé sous le commandement du directeur des opérations de secours, Joseph Loza, adjoint au maire chargé de la sécurité. Les services de l'État, en coordination avec des organisations nationales et européennes, et le SDIS, étaient également présents au PCC. Au moment du blackout, le téléphone satellitaire a été déployé, permettant une liaison avec la sous-préfecture du Marin et la préfecture. Le lendemain, il s'agissait de faire le point sur le nombre de victimes, les dégâts et les besoins à exprimer au service de l'État. Un point régulier était fait au sénateur maire Maurice Antiste. Un site d'hébergement a été installé à l'école. L'association des secouristes de Martinique a été sollicitée par la ville du François pour intervenir sur le terrain et participer à la mise en place du centre d'hébergement à l'école Emmanuel Bruno. Objectif, accueillir les victimes en urgence absolue, urgence relative et indemne. D'autres sites d'hébergement ont été choisis en fonction des exercices imposés afin également d'accueillir les personnes blessées et ou sans abri. De nombreuses victimes ont été dénombrées, parmi lesquelles les 1500 personnes de la communauté scolaire de la Jetée. Le PCC a été levé mercredi 22 mars à 15h45. Un retour d'expérience sera fait avec l'ensemble des acteurs. Et oui, comme nous l'avons dit, l'exercice Richter EU 2017 a donné lieu à une simulation particulièrement réaliste.
Dans l'affaire Yoni Palmier, la cour d'assises de Paris a rendu son verdict. Jugé en appel, le Guadeloupéen avait été reconnu coupable en première instance du meurtre de 4 personnes entre novembre 2011 et avril 2012 dans l'Essonne. Les jurés ont confirmé la peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Ils ont cependant retiré la mesure supplémentaire de rétention de sûreté, décidée en première instance. Les parties civiles sont bien entendu déçues de ce verdict. Et puis hier, mardi 28 mars, le tribunal de grande instance de Paris a jugé recevable la plainte contre l'ancien procureur de notre île, Éric Corbeau, déposée par Alfred Marie-Jeanne dans le cadre de l'affaire Green Parrot. Dans cette affaire où l'on soupçonne le président de la CTM de favoritisme lors de la construction d'une école à la Dominique par l'ex-conseil régional dont il avait alors la présidence, ce dernier avait accusé le magistrat de s'être appuyé sur un faux document. Le dernier jugement pourrait donc bien raviver ce feuilleton juridique. Le 27 février dernier, souvenez-vous, en marge de la parade du Sud à Rivière-Pilote, une femme gendarme avait été renversée par un jeune homme de 23 ans. Toujours hospitalisée, elle est dans l'incapacité de se mettre debout. Elle a une fracture du bassin. Le jeune homme a été jugé ce mercredi matin par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Il écope de 18 mois de prison, dont 9 mois de sursis, 3 ans de mise à l'épreuve, ainsi qu'une suspension du permis de conduire pendant 6 mois. Nous vous en avons parlé, musée et tourisme pour le développement durable. C'était le thème du séminaire organisé par la collectivité territoriale de Martinique, hier à la salle Émile Maurice à l'hôtel de l'Assemblée. Il s'agissait d'un séminaire de réflexion autour de l'interaction entre les musées et le tourisme culturel et surtout le rôle de ces édifices comme moyen de développement durable du tourisme en Martinique. Dans la salle, il y avait une trentaine de personnes et principalement des spécialistes du domaine. Lynn Rose Beuse, chef conservateur et directrice des musées, sites et domaines de la collectivité territoriale de Martinique. Alissandra Cummins, conservateur des musées de la Barbade, Thierry Létang, chargé de mission au Mémorial Act, ou encore Florence Pizorni-Itier, anthropologue, conservatrice en chef au service des musées de France et responsable des musées des Dom-Tom. Cette journée était l'occasion pour ces professionnels d'échanger et de partager leurs expériences autour de grands projets muséaux qui contribuent aux objectifs de développement d'un tourisme durable. Lynn Rose Beuse a d'ailleurs expliqué que les touristes sont de plus en plus à la recherche d'un tourisme culturel. En ce sens, nos musées sont une carte de visite, le reflet de notre identité, de nos savoir-faire locaux ou encore de notre patrimoine historique. Ils sont donc, dit-elle, partie prenante du développement de notre île. Ce mercredi, près d'un millier d'élèves martiniquais ont investi les différents sites sportifs de notre île pour participer à la grande finale de la compétition organisée chaque année par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, athlétisme, natation et même course de voile traditionnelle. Toutes les disciplines étaient représentées. L'Académie de Martinique a alerté les chefs d'établissement sur le danger d'un nouveau challenge qui circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit du Blue Whale, challenge auquel s'adonnent des jeunes, généralement âgés de 12 à 15 ans. Pendant 50 jours, le joueur doit relever des défis. Au début inoffensifs, ils deviennent ensuite très dangereux, avec des risques de se faire mal, voire de se tuer. En Russie, ce challenge aurait ainsi entraîné plus de 100 suicides en 6 mois. Même si aucun signalement n'a été effectué en Martinique, le rectorat appelle le corps enseignant et les encadrants des établissements scolaires à se montrer très vigilants. Après le CAPES, spécialité créole, qui prépare des enseignants de langue vivante des collèges et des lycées, c'est désormais une agrégation du créole qui vient de voir le jour. Il sera désormais possible de former des professeurs universitaires de créole. Notons que cette importante réforme concerne également d'autres langues de France, comme le basque, le corse. Reste à savoir, et c'est là l'essentiel, si ces mesures académiques auront vraiment pour résultat de renforcer l'usage des langues en question.
Allons maintenant, si vous le voulez bien, à Paris, où l'antenne de La Réunion, mise en place en novembre 2016 par Didier Robert, le président de la collectivité régionale, vient déjà de réaliser une très importante opération, une opération qui s'appelle les rencontres économiques et dont la deuxième édition s'est tenue hier, mardi 28 mars, à Paris donc. L'objectif de ces rencontres économiques est de rapprocher l'île de la Réunion des grands acteurs institutionnels de l'Hexagone, en matière notamment de développement économique et de politique culturelle. Il s'agissait également de séduire les investisseurs. Il est vrai que la région Réunion développe depuis quelques années une politique régionale incitative pour attirer de nouveaux investisseurs et des entreprises innovantes avec un régime de TVA avantageux, des aides régionales pour le fret ou pour la création d'emplois. Le thème des rencontres d'hier était les énergies renouvelables. À cette occasion, la collectivité a vanté ses atouts et son expérience en matière de développement d'énergies renouvelables et nouvelles. La région Réunion se veut être aux avant-postes de la transition énergétique, ont martelé les organisateurs de ces rencontres qui se sont déroulées en présence de nombreux investisseurs de plusieurs nationalités. La Réunion a fait valoir que par sa position idéale dans l'océan Indien, elle peut servir de port d'entrée à d'autres marchés comme l'Afrique ou l'Inde, deux marchés en pleine croissance dans le secteur de la transition énergétique. Actuellement à La Réunion, 2/3 des ménages sont éligibles à un logement social et 20% des ménages réunionnais résident dans le parc locatif social. Dans cette île, la densité en logements sociaux est plus élevée qu'en France. De plus, l'évolution sociodémographique laisse présager un besoin croissant de cet habitat, en dépit de la hausse continue du niveau de vie. Il est plus que probable que c'est la même chose tant en Martinique qu'en Guadeloupe. La Chambre régionale des comptes s'est récemment montrée très critique sur la gestion financière d'Ibrahim Patel à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Cette chambre consulaire affiche, il est vrai, un déficit de 1 500 000 euros. Le MEDEF Réunion a fait parvenir à la presse un communiqué dans lequel on peut lire notamment. En effet, dérives financières, dépenses somptuaires pour des événements, explosion de la masse salariale sans augmentation pourtant des services rendus aux entreprises, vente d'actifs pour compenser les pertes, ont malheureusement marqué la première mandature et semblent perdurer sans que le président de la CCI n'annonce de mesures correctives et responsables pour redresser les comptes. Alors qu'une chambre de commerce se doit d'être pilotée par des chefs d'entreprise exemplaires et compétents, de bâtir le terreau de la compétitivité et de la croissance et de guider les entreprises pour qu'elles soient plus performantes, on constate l'absence totale de stratégie, le manque de vision ainsi que la non-maîtrise des comptes. Fin de citation. Le MEDEF Réunion réclame une mise sous tutelle renforcée de la CCIR. La préfecture assurerait alors la gestion de la chambre. En Guadeloupe, c'est difficile à croire, mais avant 2010, sur ce petit territoire, il y avait deux chambres de commerce et d'industrie, celle de Pointe-à-Pitre et celle de Guadeloupe. Depuis, elles ont fusionné et ont donné naissance à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Les élections qui se sont déroulées récemment pour désigner qui allait présider cette chambre de commerce et d'industrie ont été annulées par le tribunal administratif car la liste gagnante ne respectait pas le principe de la parité. Un homme, une femme, etc. En même temps qu'il annulait ces élections, le tribunal a décidé que les membres élus ne devaient pas rester en fonction. De ce fait, le préfet a pris un arrêté constatant la cessation des mandats des membres élus et mettant en place une commission ad hoc chargée d'administrer la CCI. Mais dans le même temps, la liste invalidée a fait appel et a obtenu du juge des référés de pouvoir se maintenir en place. Qui donc doit diriger la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe? Une commission ad hoc nommée par le préfet ou la liste dont l'élection a été annulée? Nous avons eu l'occasion de vous signaler l'affaire du petit Enzo. Écoutez. Cet enfant, dès sa naissance, avait été abandonné par sa mère à l'hôpital C. Fleming de Marigot à Saint-Martin
mais sa mère avait immédiatement accepté de la laisser adopter par une sage-femme, Véronique Joyeux. Mais la présidente de la collectivité de Saint-Martin, Aline Anson, et la préfète, Anne Lobby, avaient enlevé l'enfant à la sage-femme et en avaient fait une pupille de l'État pour pouvoir la transférer à la famille Ellis. La sage-femme avait alors saisi le tribunal de grande instance qui lui a donné raison. La préfète et la présidente de la collectivité se sont acharnées et ont fait appel. Elles ont été également déboutées et condamnées à payer 3 000 euros à Véronique Joyeux. Le petit Enzo a 7 mois. Au Gros Morne, après plus d'une semaine de mobilisation, les animateurs de l'association JKLE reprendront le travail dès demain, jeudi 30 mars. La table ronde organisée hier entre la direction de l'association, la municipalité et les grévistes n'a pas été concluante, mais les salaires ayant été versés le 22 mars dernier, les employés ont décidé de mettre fin au mouvement de grève. Notez qu'ils réclament cependant toujours la régularisation de certains contrats, ainsi que des explications sur les retards concernant le versement des salaires. Le groupe Carrefour de la Martinique a remis plus de 9 000 euros à la Banque alimentaire, un soutien financier apprécié par cette association qui organise des collectes et distributions de denrées aux plus démunis. On se souvient de la grogne des pompiers il y a quelques mois concernant leurs conditions de travail et notamment le manque de matériel. Eh bien, ce mercredi matin, les pompiers de Fort-de-France dévoilaient à la presse leur nouvel équipement. Une échelle de 30 mètres, 3 véhicules tout-terrain, un fourgon de désincarcération et un camion atelier. Même si ce matériel ne couvre pas tous les besoins du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, il représente tout de même une avancée notable. À l'approche des vacances de Pâques, le site comparateur de prix kayak.fr vient de publier une enquête sur les frais de réservation que nous devons payer aujourd'hui pour un siège d'avion. On constate ainsi que les prestations proposées comme des options et facturées par les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses. Depuis plusieurs années maintenant, les compagnies aériennes rajoutent au prix d'un billet d'avion de nombreuses prestations optionnelles qui laissent le voyageur définir lui-même son expérience client. Initiée par les compagnies à bas coût, les compagnies low cost qui voulaient optimiser au maximum le tarif de base du voyage, la tendance a été peu à peu reprise par les compagnies traditionnelles. L'étude du site comparateur de prix kayak.fr révèle les prix moyens de réservation des sièges les plus confortables dans l'avion, situés le plus souvent près de la cabine de pilotage ou au niveau des sorties de secours. Sur les longs courriers de la compagnie low cost XL Airways, par exemple, le prix supplémentaire pour un siège plus confortable peut atteindre les 100 euros, un tarif en moyenne supérieur à ceux des compagnies traditionnelles à durée de voyage équivalent. Air France, par exemple, propose des sièges à 70 euros de plus pour avoir plus d'espace lors d'un vol long courrier. Au-delà des sièges, les prestations classiques sont bien souvent devenues des options du voyage aérien, bagages en soute, boissons ou repas. L'achat d'un billet par téléphone, voire l'enregistrement physique à l'aéroport, peuvent aussi être des options payantes selon les compagnies. Bien que ces pratiques soient affichées, la question de la loyauté vis-à-vis du consommateur se pose. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes considère pour l'instant qu'il n'y a pas de tromperie dans les nouvelles pratiques des compagnies aériennes. Celles-ci maximisent leur chiffre d'affaires en réinventant le voyage en avion, au détriment du consommateur parfois. Passons maintenant au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Tout le monde le sait, c'est grâce à une alliance avec le Parti communiste français autour de ce que l'on a appelé à l'époque le programme commun de la gauche que François Mitterrand a été élu le 10 mai 1981 président de la République. Déjà, avec cette même alliance, il n'avait pas été très loin de l'emporter en 1974 quand c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait été élu. Il n'avait été devancé, François Mitterrand, que de 400 000 voix. 87% des électeurs inscrits avaient voté et il avait obtenu 13 millions de suffrages, un score jamais atteint par la gauche. Aujourd'hui, si l'on en croit les sondages et que l'on ajoute le score de Jean-Luc Mélenchon
à celui de Benoît Hamon, ils battent tout le monde au premier tour. On peut même se demander si une telle dynamique ne serait pas de nature à conduire vers les urnes de si nombreux abstentionnistes qu'on pourrait n'avoir qu'un seul tour. Cela est tout de même improbable. Reste qu'une alliance Mélenchon-Hamon semblable à celle qu'avaient uni François Mitterrand et Georges Marchais aurait bien des chances d'aller au second tour et de gagner contre Marine Le Pen. Alors, pourquoi cette alliance ne se fait-elle pas? Les programmes ne sont pas les mêmes, mais les programmes du Parti socialiste et du Parti communiste à l'époque n'étaient pas non plus les mêmes. Ils ont quand même su trouver les compromis nécessaires pour convaincre les Français. Et dès lors, cette psychorigidité dont semble faire preuve tant Benoît Hamon que Jean-Luc Mélenchon, cette incapacité de s'allier est extrêmement inquiétante, car si elle ne se fait pas aujourd'hui, elle ne se fera pas non plus aux législatives. On risque donc de voir disparaître le Parti socialiste de ce pays. La plupart des commentateurs estiment, il est vrai, qu'Emmanuel Macron ne va trouver de majorité pour gouverner que chez les socialistes, d'où la pitroyable trahison de Manuel Valls qui veut sauver un poste de député. C'est possible. Mais Emmanuel Macron est jeune. Il aura, s'il est élu, tout son temps pour se construire son propre parti, donc pour bien installer une social-démocratie très européaniste en France. On ne sait pas si c'est ce régime-là qui convient le mieux à ce pays aujourd'hui. En tout cas, si Emmanuel Macron est élu, on aura 5 ans pour en juger. Retrouvez notre sujet santé. La maladie rénale est répandue, elle a des effets dommageables, mais peut être soignée. L'incidence des maladies rénales chroniques augmente avec l'âge, même si elles peuvent survenir à tout âge. Près de la moitié des personnes de plus de 75 ans présentent un certain degré de maladie rénale chronique. Il faut savoir qu'outre le vieillissement des reins, les facteurs qui contribuent à endommager les reins sont plus fréquents chez les seniors, tels que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Elles augmentent le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, et dans certains cas, peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse ou une transplantation. Or, détectée à temps et prise en charge de façon adaptée, cette affection peut être freinée, voire stoppée. Un test sanguin et urinaire suffisent à détecter à temps une maladie rénale. En pratique, il faut encourager les personnes âgées à passer un simple test sanguin et urinaire de dépistage afin de détecter précocement la maladie rénale chronique. N'hésitez pas à en parler à votre médecin et incitez votre entourage à boire un grand verre d'eau pour débuter la journée et protéger ses reins. Rappelons qu'environ 600 millions de personnes dans le monde souffrent d'une certaine forme de maladie rénale chronique, maladie qui devrait augmenter de 17% au cours de la prochaine décennie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception, Catherine Emmanuel, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Getty Galva, Marilyn Etillé, Roland Laouché. Cette édition sera rediffusée ce soir à 22h, demain à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez aussi revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.